Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui afin de passer un bon moment dans la prière ensemble. Et nous sommes toujours heureux parce que vous nous faites confiance, pas à moi, mais à cette plateforme cœur à cœur que le Seigneur nous a donnée afin qu'ensemble, réfléchissant, méditant, nous exhortant dans le seul but de retrouver notre place que le Seigneur a dit, souvenez-vous, je m'en vais vous préparer une place. Car c'est le but. Alléluia. Nous sommes ici, tout ce que nous faisons, c'est dans le seul but que chacun de nous, que personne ne rate l'avènement, ni rate l'enlèvement, et qu'ensemble, nous puissions nous retrouver. Je ne sais pas comment cela se passera, mais que nous nous retrouvions dans la salle des noces, habillés en tenue appropriée, n'est-ce pas, et louant, célébrant l'Éternel, notre Dieu, avec notre époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit Amen. Alléluia, alléluia. Et nous continuons notre série, comme vous le savez, nous parlons du sérieux. Et nous l'avons, je pense que beaucoup ont compris et ont accepté notre définition péologique, hein, c'est-à-dire selon moi. Nous pensons qu'être sérieux, c'est avoir la capacité de, j'allais dire, c'est avoir la capacité de faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Être sérieux, c'est être là où Dieu nous a placés. Être sérieux, c'est dire ce que Dieu nous ordonnera de dire et rien d'autre. Nous sommes tous, sans exception, confrontés à ce que j'appelle la guerre des volontés. Il y a multiples volontés qui nous sont proposées, OK? Et il y a, parmi ces volontés, il y a la volonté de Dieu. Et ici, à chaque dimanche que nous nous retrouvons sur ce plateau, c'est pour nous encourager à ce que chacun de nous, bon gré mal gré, quelles que soient les complications ou les conséquences, d'ailleurs, elles seront toujours positives, que chacun de nous se décide, s'impose à ne faire que la volonté de Dieu. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus lui-même, quand il était sur terre, un jour à Gethsémané, il fera cette fameuse prière que tout le monde connaît. Il dira, Ô Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté. Alléluia. Nous sommes là pour nous discipliner à faire la volonté de Dieu. Croyez-moi, qui que vous soyez, où que vous soyez, la réussite, c'est quand on est dans les territoires où s'exerce la volonté de Dieu. Voilà notre mandat. Nous n'irons ni à gauche ni à droite. Nous restons fermes dans notre mandat à nous discipliner, à nous encourager, à ce que chacun comprenne qu'il est important, il est important de faire, de vivre que la volonté de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Et aujourd'hui, dans cette même pensée du sérieux, nous voulons avancer un peu avec vous, si vous le permettez, bien sûr. Nous parlerons du menu interdit. J'aime beaucoup le menu interdit. Je veux vous inviter à prendre vos Bibles. Comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides. J'ai toujours ma Bible avec moi. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Genèse,
Le deuxième chapitre, nous lirons le 15 et 17e verset. Alléluia. Genèse chapitre 2, le verset 15 et le verset 17. Le verset 15 à 17. Je fais la lecture. L'Éternel prit l'homme, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16e, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Alléluia. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Permettez-moi de prier, de crier. C'est un ordre qui nous a été donné par l'Éternel Dieu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voici l'ordre qui nous a été donné. Et le verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme conséquence, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voici l'ordre qui nous a été donné du Seigneur par notre Dieu, l'Éternel. Savez-vous que c'est l'Éternel qui est Dieu? Nous prions, Éternel Dieu, en ce moment réunis ensemble autour de la parole. Remplis-nous de ta connaissance. Remplis-nous de ta connaissance, Seigneur. Que par ton esprit, chacun de nous se décide d'obéir à cet ordre que tu nous as donné dès le commencement, car nous sommes dans Genèse. Remplis-nous de cette connaissance. Remplis-nous de cette capacité à nous décider, en effet, que ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous parlons du menu interdit. En d'autres termes, tout simplement, nous parlons de ce qui ne doit pas être mangé. Nous parlons de ce qui ne doit pas être fait. Nous parlons de ce qui est interdit. Interdit non par un homme, non par ton pasteur, non par ton bishop, mais interdit par Dieu. Interdit parce que les jours où nous en mangerons, nous mourrons. Je vais plus loin en disant, les jours où nous le ferons, nous mourrons. Une conséquence directe et terrifiante, la mort. Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. La mort dont il est question ici, parce que les lecteurs de la Bible, je crois, voient de quoi je parle, la mort dont l'Éternel Dieu avait dit, dont il parlait ici, ce n'était pas la mort physique. Alléluia, beaucoup, souvent, confondent l'Éternel Dieu dans Genèse, le chapitre 2e, le verset que nous avons lu, vous et moi. La mort dont Dieu parlait était la mort spirituelle, car c'est la mort la plus atroce. Ça, c'est la mort. La mort spirituelle. L'Éternel ne parlait pas de la mort physique. Beaucoup parmi nous ont plus peur de la mort physique que de la mort spirituelle. Beaucoup parmi nous tremblent devant la mort physique. Écoutez, il n'y a pas plus dangereux que d'être sur terre, mais d'être mort spirituellement. Savez-vous que sur cette terre, il y a deux types d'êtres. Je l'ai toujours dit, il y a des êtres existants et des êtres vivants. Parce que la vie, ce n'est pas la respiration. Non, 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 qu'on ne nous trompe pas. La vie, ce n'est pas la respiration. Le Seigneur dira lui-même, je suis la vie. La vie, c'est Jésus. Quelqu'un devrait dire avec moi un grand Amen. Ah, quelqu'un devrait crier plus fort, Alléluia. La vie, c'est Jésus.
La vie, c'est Jésus. Il a dit, je suis la vie. En tout cas, si tu le crois comme moi, je le crois. C'est pourquoi je le confesse. La vie, c'est Jésus. Jésus est la vie. Invite Jésus dans ta maison. Tout ce qui est mort partira. Reçois Jésus dans ta vie, toi qui es là. Tout ce qui était mort en toi partira. Jésus est la vie. Là où est Jésus, là est la vie. La vie Zoé, alléluia. C'est pourquoi Dieu dira ceci. Celui qui va désobéir à ce que j'ai dit, il mourra. C'est-à-dire, il n'aura plus Jésus en lui. Parce que si je pousse encore plus loin le raisonnement, la mort n'est rien d'autre que la séparation de l'être vivant et de Jésus. Alléluia. Et de Jésus. Écoutez, j'avais envie de faire une petite illustration, mais je n'ai pas ce qu'il me faut. Je disais à l'église, le Seigneur dira un jour pour les lecteurs de la Bible, je dis toujours ceci parce que j'insiste, j'espère que nous avons cette habitude de lire la Bible, hein, n'est-ce pas? Comme Dieu lui-même dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mais dites-le jour et nuit. Voilà pourquoi ici, sur cette plateforme cœur à cœur, nous nous encourageons à ce que chacun de nous ait cette soif, cette faim de toujours lire la Bible. Je lis ma Bible non pour venir sur... je lis la Bible non pour venir vous déverser tous les versets que j'ai emmagasinés. Non, je lis la Bible pour moi, pour mon édification, pour ma vie spirituelle, pour ma santé spirituelle. Alléluia. C'est la première raison pour laquelle moi, votre frère, je lis, je médite la Bible. J'ai fait des recherches pour moi. Je vous encourage. J'ai pris cette parenthèse dans mes 30 minutes parce que c'est très important. Et quand vous et moi, nous méditons la parole, nous connaissons la parole, écoutez, ça sera facile. La pensée sera fluide et nous nous comprendrons facilement. Je ferme la parenthèse pour essayer de nous expliquer. Un jour, le Seigneur dira, c'est lui, parce qu'un homme dans la Bible voulait le voir. Et Dieu lui dira, homme ne peut me voir sur terre et vivre. Quelqu'un se rappelle de cela. Le Seigneur dira, un être vivant ne peut me voir et vivre. Mais un jour, oh, j'aime beaucoup ça, un jour, la Bible dit, il y a eu des hommes qui ont vu le Seigneur. Alléluia. Il y a eu des hommes qui ont vu l'Éternel Dieu. Ça, j'en parlerai demain. J'essaie d'anticiper parce que je me sens obligé vu que quelque chose me dit qu'il y a quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à comprendre. Voir Dieu, c'est être couvert de Jésus. Alléluia. Voir Dieu, c'est arriver d'abord à être couvert de Jésus. Jésus est cette couverture qui nous permet de voir Dieu. Sans Jésus, il est impossible. Alors, impossible de voir Dieu. Nous avons besoin de cette couverture, d'être couvert de Jésus-Christ. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons voir Dieu. C'est pourquoi je suis convaincu que Adam et Ève dans le jardin voyaient Dieu, parlaient avec Dieu parce que vous le savez sûrement, la Bible dit chaque soir, Dieu venait, dînait, parlait avec l'homme. Et à ce moment-là, ils avaient la gloire, ils avaient cette couverture de Jésus qui leur permettait de voir Dieu. Et c'est pourquoi, dès que le péché est entré, Jésus sort. Quand Jésus part, l'homme est mort. La mort dont Dieu parlait
C'est la mort spirituelle qui nous éloigne de la présence de Dieu. Quand nous sommes morts spirituellement, nous vivons loin de la présence de Dieu. Pour cette première partie, afin que nous puissions nous comprendre, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que le but n'est pas de courir. Le but est que nous puissions avancer petit à petit. Et permettez-moi de me répéter. Pour cette première partie, Dieu dit, c'est un ordre. C'est un ordre. Je nous ramène à notre époque, actuellement, maintenant, pour tous ceux qui prient avec moi, pour tous ceux qui sont connectés en direct ce dimanche, même pour ceux qui me suivront en rediffusion. Frères et sœurs, faisons attention à l'ordre qui nous a été donné par l'Éternel. Fais attention. Disciplinons-nous à être sérieux avec Dieu, c'est-à-dire à faire ce que Dieu nous a dit de faire. Ne fais rien d'autre que ce que Dieu t'a dit de faire. Ne va nulle part que là où Dieu t'a dit d'aller. Ne dis rien pour faire plaisir aux gens. Ne dis rien si ce n'est ce que Dieu t'a ordonné de dire. Parce que les conséquences sont terrifiantes. Il y a la mort. Il y a la mort spirituelle. Dès lorsque nous désobéissons à Dieu, et je n'ai pas peur de le dire, dès lorsque nous désobéissons à Dieu, d'office, la gloire nous quitte. Le Seigneur n'est plus avec nous. Et il nous sera difficile de voir l'Éternel, de voir Dieu. Écoutez, je ne sais pas si vous le savez, sans pour autant faire peur à qui que ce soit, nos assemblées locales, nos maisons, dans la rue, nous sommes remplis des zombies. C'est comme ça que je les appelle. Nous sommes remplis des zombies, c'est-à-dire des morts vivants, des gens, d'autres qui avaient la gloire, mais qui ont embrassé le péché, qui s'étaient malheureusement décidés de faire ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire. Et d'office, ils sont morts. Ils marchent, ils respirent, mais ils ne vivent pas, parce qu'il y a une différence entre respirer et vivre. La vie, ce n'est pas la respiration. Je l'ai déjà dit, je le répète. La vie, ce n'est pas la respiration. La vie, c'est Jésus. Et le seul moyen de garder Jésus, c'est en marchant dans l'obéissance. C'est en nous inculquant cette notion d'obéissance dans l'obéissance, alléluia, l'obéissance le matin, à midi, le soir, où que tu sois, où que tu ailles, même et surtout quand tu es seul, quand des envies bizarres commencent à venir. Oui, fais appel à Jésus, fais appel au Saint-Esprit afin qu'il t'aide et que tu dises non. C'est possible de dire non. Un homme dans la Bible a dit non au péché. Il a dit, pourquoi pécherais-je contre mon Dieu? Un homme dans la Bible a refusé de pécher contre Dieu et il a gardé cette robe de gloire qui n'est d'autre que Jésus-Christ. Vous savez, la femme de Potiphar, parce que je parle de Joseph, a pris et est restée avec la robe que le monde a donnée, mais personne. Alléluia. Personne ne peut te ravir la magnifique robe blanche dont le Seigneur t'a couvert, qui n'est d'autre que Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Moi, le premier, je ne suis pas là pour vous pointer du doigt, mais je nous parle à nous tous. Je suis convaincu que c'est ce que le Saint-Esprit
Attendez-nous que cette année 2023, que nous ayons tous la capacité d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et je ne veux pas le faire. Écoutez, tout ce dont Dieu nous demande est dans sa parole. La parole de Dieu regorge de toutes les commandes, parce que Dieu a dit, c'est un ordre. Tu ne voleras pas, s'il te plaît. Tu ne mentiras pas. Fais un effort. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne toucheras pas. Tu ne te prosterneras pas devant des statues. Souvenez-vous, c'est exactement ce dont nous avons parlé le dimanche passé, où les trois compagnons de Daniel, devant les rois, avec tout le respect, ils dirent au roi, nous n'avons rien contre toi. Nous n'avons rien contre la statue, mais nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous a dit de ne pas faire. Alléluia. Oh, Alléluia. C'était juste ça leur raison. Le roi dira, après la sortie de la fournaise, le roi dira, ces hommes ont délibérément désobéi à l'ordre du roi. Ils n'ont pas fait cas de leur vie parce qu'ils ont voulu obéir à la volonté de Dieu, obéir à ce que Dieu a dit. Obéissons, frères et sœurs, obéissons. Et c'est ça, être sérieux. Alléluia. C'est ça, être sérieux avec Dieu. Tu peux chanter comme tu veux, et il y en a. Tu peux crier comme tu veux, et il y en a qui crient. Tu peux prier du matin au soir, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, et j'en connais, mais n'obéissons pas à Dieu. C'est ça des morts-vivants qui remplissent nos assemblées, qui remplissent nos vues, nos vies, qui remplissent nos rues. Des gens qui sont là pour l'œuvre de Dieu, mais qui n'obéissent pas au Dieu de l'œuvre. Ici est plus que jamais le temps de comprendre qu'il ne faut pas toucher au menu interdit. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Ne touche pas au menu interdit. Ne touche pas au menu interdit. J'ai pris et j'ai montré ma Bible parce que quelqu'un m'a dit, mais j'ai prié, pasteur, j'ai prié, Dieu ne m'a pas parlé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit. Voici la réponse, elle est là-dedans. Tout ce que Dieu a dit de faire est là-dedans. Et tout ce que Dieu a dit de ne pas faire est là-dedans. Même si tu pries et tu n'entends aucune parole, aucune voix, Dieu ne te parle pas audiblement, mais voici la parole de Dieu. Voici toute parole qui est sortie dans la bouche de Dieu. C'est ce que disait le Seigneur Jésus. Un jour, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voici sa parole. Obéissons à ce qui est écrit. Marchons conformément à ce qui est écrit. C'est ce que disait Josué. Si vous vous rappelez, Josué dira, j'ai marché pleinement dans la loi de Dieu, obéissant à la lettre. Et c'est ça les bons combats. C'est ça les bons combats, frères et sœurs. Les bons combats, ce n'est pas ce qu'on nous apprend de nos jours. Il y en a qui se battent pour se marier. Pendant que toi, tu veux entrer dans le mariage, il y a 10 000 qui veulent en sortir. C'est un faux combat. Il y en a, tu vois, tu pries, tu jeûnes, tu vas à la montagne pour avoir des enfants. Il y a actuellement, pendant que je te parle, maintenant, il y a des femmes qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, causées par les enfants qu'ils avaient cherchés. Fais la volonté de Dieu. Reste calme. Comme disent mes enfants, sois zen. Et la vie est cachée dans la volonté. Volonté de Dieu. Que nous fassions ce que Dieu nous a demandé de faire. Oh, en 2023, Seigneur, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Disposé à chercher ta volonté, oh Dieu, disposé à faire ta volonté. Alléluia. Disposé à obéir à l'ordre que tu avais donné.
depuis le jardin d'Éden. Notre vie a commencé avec ces menus interdits. Le Seigneur nous a tout donné, mais le Seigneur nous a donné un ordre à ne pas faire. Obéissons à cela, obéissons à cela, obéissons. Je prie, je sens dans mon cœur de prier pour quelqu'un. Tu es là présent avec nous. Tu es là, et le Seigneur a parlé à ton cœur. Il y a des choses que tu fais et tu sais que Dieu n'aime pas. Oui, il y a parmi nous des gens qui font des choses et qui savent que Dieu n'aime pas, que Dieu n'est pas d'accord avec eux. Je prie que le Saint-Esprit nous aide, toi et moi. Je prie que l'Esprit de Dieu, le Paraclet, le Consolateur, je prie que le Saint-Esprit de Dieu, car nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous n'arriverons à rien sans l'aide du Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide mes frères, aide mes sœurs, tous ceux qui veulent plaire à Dieu. Tous ceux qui veulent plaire à Dieu. Car nous voulons obéir à Dieu. Mais la chair a cette tendance. La chair nous amène, nous pousse à désobéir. Voilà pourquoi il est écrit, assujettissez la chair. Dominez la chair au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la chair se taise à jamais. Et que l'esprit soit vivifié. Que nous marchions dans la Jésus-fiabilité. Que nous soyons Jésus-fiés. Que tout en nous soit centré et basé sur la parole de Dieu. Que je marche dans la gloire. La marche de la gloire, la marche de la gloire, la marche de la gloire consiste à obéir aux injonctions divines, consiste à obéir à la parole de Dieu. Que le Seigneur te remplisse, toi qui es là. Que le Seigneur te fasse grâce, toi qui consciemment tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Que le Saint-Esprit qui a entendu ta prière et qui t'a répondu ce matin, qu'il te fasse du bien, qu'il te soit favorable et que tu arrêtes. Que tu arrêtes ce que tu fais, car cela ne plaît pas à Dieu. Que tu arrêtes. Oh, ribankaterebosta, je prie au nom de Jésus. Écoutez, Jésus a dit, et vous le savez, je l'ai toujours mentionné dans mes messages, dans mes prières. Jésus a dit, mon Père, c'est-à-dire l'éternel Dieu qui m'a envoyé, ne m'a jamais laissé seul. Il est toujours avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Et qu'est-ce qui est agréable à Dieu, si ce n'est faire ce que Dieu a dit de faire? Quand tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, c'est ce que j'étais en train d'expliquer et que je continuerai le dimanche prochain. La gloire de Dieu te couvre. La gloire de Dieu t'environne, t'enveloppe et te permet de voir Dieu ici sur terre. Nous en parlerons dimanche prochain. Il y en a qui ont vu Dieu ici sur terre, rempli de la gloire de Dieu. Rempli de la gloire de Dieu. Et cette gloire ne chemine jamais avec la désobéissance. La désobéissance produit de rebelles. Note ça. La désobéissance, nous en parlerons dimanche prochain, la désobéissance produit de rebelles. Et souvenez-vous, Lucifer, l'ange des lumières, qui s'était né devant la face de Dieu, fut chassé du ciel pour une raison, une seule, parce qu'il s'est rebellé. La rébellion est précédée par la désobéissance. Et la désobéissance n'est rien d'autre que cette malice de vouloir faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Cette pensée, cet esprit des contradictions, de faire le contraire, d'être opposant, c'est ça le mot qui convient, bibliquement, selon Hébreu, être opposant de Dieu. C'est ce qui a fait que Lucifer soit chassé du ciel. Je brise cet esprit de rébellion.
je chasse maintenant dans nos vies, dans nos maisons, cet esprit de rébellion au nom de Jésus-Christ. Dans nos enfants, dans les parents, je détruis cet esprit de rébellion au nom de Jésus et nous la chassons. Priez avec moi, priez avec moi. Écoutez, c'est très sérieux. Priez avec moi. Nous chassons l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion dans notre maison, au nom de Jésus, nous la chassons. Dans nos assemblées locales, nous chassons la rébellion. Nous refusons catégoriquement la rébellion. Cette année, nous voulons nous soumettre. Alléluia. Cette année, nous voulons nous soumettre à Dieu. Nous soumettre à Dieu, et c'est ce qui nous donnera la capacité de résister au diable, et la Bible déclare, et il fuira loin de nous. Soumettons-nous à Dieu. Je soumets nos vies à Dieu. Je soumets, comme disait Job, je soumets, je plie ma volonté à celle de Dieu. Job a compris que malgré les temps difficiles qu'il était en train de vivre, malgré les complications de la vie, écoutez, Job a compris que la solution est cachée dans la soumission. C'est pourquoi Job va déclarer en ouvrant sa bouche, étant dans une situation difficile, mais Job a dit, je plie ma volonté à la sienne, oh Dieu, je plie ma volonté à la tienne, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, car la vie est cachée dans la volonté de Dieu, la vie est cachée dans l'obéissance à l'ordre que Dieu nous a donné. Quelqu'un veut aller loin, quelqu'un veut percer, quelqu'un veut avoir du succès, cela est caché dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu, ayant compris cela, il dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. En d'autres termes, que tout ce que j'ai dit soit gravé dans ton cœur et tu connaîtras le succès. Alléluia. Alléluia, alléluia, Dieu de gloire. Oh papa, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-moi en premier. Aide mes sœurs qui sont là. Aide mes frères qui sont là. Aide cet homme qui t'aime, qui veut faire ta volonté, mais qui n'arrive pas à cause de la chair, à cause des volontés autres que la volonté de Dieu. Oui, aide cette femme qui, Seigneur, matin, midi et soir, pleure. Mais Seigneur Dieu, garde-nous à ne faire que ta volonté, Seigneur, à ne faire que ta volonté du matin au soir. Aujourd'hui, nous comprenons que notre vie est cachée dans la volonté de Dieu. Alors, nous nous décidons de faire la volonté de Dieu. Si tu es là avec moi, tu peux te mettre debout. J'ai tellement envie de me mettre debout. Si tu es là, mets-toi debout, s'il te plaît. Lève tes mains et soumets-toi à Dieu. Alléluia. Soumets-toi à Dieu. Tu connais ta maison mieux que moi. Je ne suis pas prophète. Je ne suis qu'un homme comme toi. Je ne suis pas prophète. Tu connais ta maison, tu sais ce qui dérange ta maison. Tu connais sûrement les envies de ton mari. Tu connais les besoins de ta femme. Tu connais tes enfants mieux que moi. Alors, tout ce que tu sais qui est en contradiction avec la loi de Dieu, voici l'occasion que le Seigneur nous donne de prier pour nos assemblées, nos églises, nos lieux de réunion, de rencontre, que tout ce qui n'est pas de Dieu parte au nom de Jésus, que tous les morts vivants, oui, quittent nos lieux et que ceux qui veulent revenir à la vie reçoivent Jésus. Parce que, comme nous en parlerons dimanche prochain, le seul moyen de revenir à Dieu, c'est de recevoir Jésus. C'est de recevoir Jésus. Il n'est jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard. Le seul et l'unique moyen de revenir à Dieu, c'est d'accepter, c'est de recevoir Jésus. Parce qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non par le sang, ni par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Seigneur, garde-nous
Garde nos maisons, je t'en supplie. Garde nos lieux de rencontre, nos assemblées. Que tous ceux qui sont rebelles, Seigneur, reviennent à toi. Reviennent à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta grâce surabonde. Oui, selon qu'il est écrit, que ta grâce surabonde là où le péché abondait. Que le péché parte. Que cet esprit d'opposition à la loi de Dieu quitte nos vies, quitte nos maisons et que nous nous soumettions à toi, Seigneur, à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Ah, magnifique. Gloire à Dieu. Vous l'avez remarqué, je n'ai pas envie d'arrêter, mais je préfère obéir, être sérieux avec ce qui m'a été dit. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 30 minutes. Si c'est le cas, je vous présente mes excuses, n'est-ce pas? Nous prêchons le sérieux et le sérieux, c'est dans tous les domaines. Alléluia. Que notre régie me pardonne si j'ai dépassé les 30 minutes. Ça n'arrive pas trop souvent, mais si c'est le cas, voilà. Que le Seigneur nous soit favorable. Nous nous disons à dimanche prochain. Restons concentrés, gardons-nous d'obéir, de nous décider à obéir à ce que Dieu nous a dit. Et je vous promets, nos vies, nos maisons, nos lieux de rencontre, nos lieux de culte seront remplis de témoignages. Il y a des témoignages qui sont là, n'est-ce pas? Il y a des témoignages de toutes ces personnes qui se sont décidées d'obéir à la loi de Dieu. Et c'est ça le bon combat. Amen. Pas le mariage, non. Pas autre chose. Le bon combat, c'est obéir, c'est garder la loi de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Un très bon dimanche chez vous. Et nous nous disons à dimanche prochain. Bye bye.